Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre Barbie préféré pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Et aujourd'hui, on va parler ensemble du portail de Kokomi qui arrivera du coup le jour où je posterai cette vidéo. Je vais vous donner tous mes conseils, j'ai déjà fait une vidéo bien détaillée sur Kokomi, si vous voulez la voir, c'est sur le bouton i juste ici. Là, on va parler surtout du portail et beaucoup des 4 étoiles qui sont dessus parce que c'est très important de prendre en compte également les 4 étoiles sur un portail. Je vais donc essayer de vous aiguiller un maximum sur le sujet pour vous donner des billes pour pouvoir savoir si vous devez ou pas invoquer selon votre box. Comme d'hab, si vous appréciez le contenu et vous voulez soutenir, n'hésitez pas le petit pouce bleu et l'abonnement pour qu'on aille atteindre ces 20 000 abonnés enfin, ça ferait plaisir. Let's go pour la vidéo. Du coup, Kokomi, voilà comment le portail va se présenter. Donc, on va avoir le nouveau perso, donc, qui va être tout simplement Kokomi Hydro 5 étoiles avec un catalyseur accompagné de Xingqiu, Beidou et également Rosaria. Donc 3 gros 4 étoiles quand même, 3 très bons personnages 4 étoiles qui ont de très bonnes constellations. Donc Kokomi, pour faire un rapide brief dessus, ça va être tout simplement un personnage qui va pouvoir taper en fonction de ses PV. Donc plus elle va avoir de PV, plus elle va le faire de dégâts. Et c'est un perso qui prend à contre-pied toute la méta actuelle du jeu. Pourquoi? Parce qu'elle va avoir tout simplement moins 100% en taux de crit. Sinon, c'est assez débile de la build quand même supérieure à 100% de TC pour avoir un peu de coup critique. C'est vraiment un perso qui va jouer différemment et je trouve ça bien parce que ça va amener de la diversité dans le jeu. Le perso, je trouve qu'il est assez prometteur quand même. Il est cool, même si personnellement, je n'invoquerai pas dessus parce que j'en ai pas l'utilité. Je trouve que le perso est assez sympa et après, c'est à vous de voir s'il a une utilité ou pas chez vous. C'est vrai qu'actuellement, on n'a pas tellement de perso hydro que ça dans le jeu. Donc déjà, ça, c'est une bonne chose. Et deuxièmement, vous avez peut-être toutes les artefacts qu'il faut parce qu'elle va utiliser des artefacts que vous n'utilisiez pas à la base. Par exemple, des artefacts en PV%, etc., que vous avez un peu boudé. Et bah là, ils vont servir tous les procs PV% qu'on a eu sur des fleurs ou autre chose, ou même les procs en flat. Bah, vont servir ici. C'est des items qui ne nous servaient pas avant, non? Et vont clairement nous servir ici pour Kokomi. Donc ça peut être assez cool d'avoir déjà tous ces artefacts de farm à ce niveau-là. Pour parler des 4 étoiles, on va commencer du coup par parler de Beidou. Alors Beidou, 4 étoiles, clé mort, électro. Donc, ce qui est assez cool avec le personnage, ça va être tout simplement son renvoi de dégâts. Et surtout son ultimate qu'elle va pouvoir mettre même quand elle n'est pas sur le terrain. Alors son ultimate va permettre de faire proc un bouclier qui va absorber les dégâts. Mais qui ne va pas vous protéger du coup des dégâts adverses. Ça va seulement réduire les dégâts. En plus de ça, lorsque vous allez avoir les constellations que je vous présente ici, on va avoir un bouclier en PV%. Donc déjà habituellement, lorsque vous lancez tout simplement l'ultimate, ça va avoir ses effets là. Ces effets-là, pardon, les attaques normales et chargées lorsqu'elles touchent libèrent une décharge électrique qui se propage d'ennemi en ennemi et inflige des dégâts électro. Donc ça, c'est cool pour faire proc, par exemple, la supraconduction avec un personnage comme Ela. Mais derrière Ela, on a déjà Fischl ou encore Baal qui est beaucoup mieux pour proc ça, mais c'est quand même cool. Augmente la res à l'interruption du personnage et réduit les dégâts subis. Au maximum, une décharge par seconde peut être libérée. Donc ça, c'est assez cool, la réduction de dégâts en plus. Si vous avez tout simplement le skill level 6, ça va jusqu'à 28%, ce qui est vraiment énorme pour le coup. Réduire les dégâts de 28%, c'est assez huge et pour le coup, c'est vraiment cool. En plus de ça, on va avoir la constellation derrière. Donc la première qui va permettre, en plus de cette réduction de dégâts là, d'avoir un bouclier équivalent à 16% des PV. Donc ça, c'est cool, qui dure 15 secondes. Donc le bouclier, il a un peu plus d'effet sur les sorts électro, ça c'est pas ce qui va nous intéresser. En plus de ça, lorsqu'elle aura la deuxième constellation, on va avoir tout simplement plus de décharges qui vont être libérées par l'outil. Si vous vous souvenez bien, tout à l'heure, on a vu que l'outil, en plus de réduire les dommages, permettait tout simplement d'affliger l'élément électro et des dégâts aussi. Et derrière, on va avoir donc plus de proc électro, donc c'est cool pour faire proc les réactions. Après, l'élément électro, c'est pas le meilleur pour faire des réactions élémentaires, clairement, mais c'est un perso qui est très prometteur et qui est assez cool. A noter la petite C6 qui permet de diminuer la résistance électro des adversaires de 15% lorsque l'ultimate est actif. Donc ça peut être un support assez sympa, voilà, pour mettre l'ultimate, pour réduire les dégâts, pour tout simplement avoir un petit pool de PV en plus avec le bouclier, et puis pour faire proc les résistances, ça peut être vraiment pas mal du tout. Donc deux constellations qui sont très bien, les deux premières. Après le reste, c'est plutôt accessoire pour moi, parce que Beidou, on va pas la jouer clairement sur le terrain. Donc la quatrième, c'est plutôt dans ce sens-là. Et la sixième reste cool. Mais je pense pas que ça vaut une C6 pour ces effets-là, clairement. Je dirais C2. Rosalia maintenant. Donc Rosalia ou Rosaria, vous l'appelez comme vous voulez. Qui va permettre tout simplement d'être une lancière cryo. Donc 4 étoiles.
qui va pouvoir appliquer l'élément cryo et augmenter le taux de critique de toute l'équipe. Donc elle a tout simplement un passif qui va permettre d'augmenter de 15% en fonction de son taux de critique à elle-même. Donc par exemple, si vous avez 100% de taux de crit sur le perso, et bah, elle va augmenter de 15% le taux de critique de toute la team. Donc ça, c'est plutôt cool pour apporter du critique. Ça peut permettre de buter plus facilement le personnage. En plus de ça, le perso est assez cool. Il va avoir un ultimate qui va infliger des dégâts sur une longue durée, donc des dégâts cryo qui peuvent faire proc par exemple la fonte, ce qui est vraiment une très bonne réaction pour le coup, ou encore le gel. Donc ça peut être assez stylé. Donc le premier doublon va permettre de, lorsque les attaques de Rosella infligent un coup critique, sa vitesse d'attaque et les dégâts des attaques normales augmentent de 10% pendant 4 secondes. Donc ça, ça va pas être fou, clairement, parce que Rosaria, on va pas la laisser sur le terrain. Enfin, moi, je ne vais pas la laisser sur le terrain, j'utilise comme support, là. Et ça, ça m'intéresse pas spécialement. Par contre, la deuxième constellation est beaucoup plus importante. Prolonge la durée de la lance de glace de sacrement mortel de 4 secondes. Et là, on commence à avoir un truc assez sympa. Donc, la durée de sa lance, ça va être tout simplement son ultimate qui va venir apposer les dégâts cryo, comme je vous l'avais dit précédemment. On va être sur une durée de 8 secondes. Si on rajoute 4 secondes, ça fait 12 secondes et ça fait 50% de durée en plus, ce qui est vraiment excellent pour le coup, pour faire proc toutes vos réactions. En plus de ça, comme je vous l'ai dit, elle ajoute du taux de critique à toute la team. Donc, ça peut être un très bon personnage et il peut vraiment venir supporter votre perso principal en lui apportant des éléments qu'il n'a pas et des bonnes réactions élémentaires. Donc, j'aime beaucoup le personnage et je trouve que, pareil, la deuxième constellation est vraiment incroyable. La première, bon, on est un peu obligé de l'avoir pour avoir la deuxième, mais pour le coup, la deuxième est vraiment excellente. Et la dernière est aussi très bien, mais là, c'est plus vers des personnages qui font des dégâts physiques. Les attaques de sacrement mortel réduisent la résistance physique des ennemis de 20% pendant 10 secondes. C'est très fort, mais c'est vraiment assez ciblé. Donc, comme vous le voyez, moi, ces deux persos-là, je vous conseille plutôt de les avoir, ces deux. Pour ce qui est de Xingqiu, alors Xingqiu, ça va être un personnage qui va être épée à une main, hydro, 4 étoiles, qui va permettre de réduire les dégâts qu'on se prend, d'infliger des dégâts supplémentaires, d'infliger l'élément hydro, et en plus de ça, d'avoir un petit passif sympa qui permet de récupérer des matériaux d'élévation. Donc, Xingqiu, comme vous le voyez, 25% de chance de récupérer des ressources lors de la synthèse de matériaux d'amélioration d'aptitude. Donc ça, c'est assez bon à noter. On va avoir sa compétence de base qui va faire proc tout simplement des lames de pluie autour de lui qui vont réduire les dégâts subis. Donc la réduction des dégâts, comme vous le voyez, peut aller jusqu'à 29%. Alors on va pas l'augmenter au max, mais si vous avez des doublons dessus, on peut facilement avoir un level 11 qui va de la même façon faire le même montant, donc 29%. Ce qui est plutôt cool pour le coup, parce que 30%, presque 30% de réduction de dommages, c'est vraiment pas mal fat pour le coup. En plus de ça, ça va faire proc l'élément hydro autour et son ultimate derrière va permettre d'infliger, comme vous le savez, des dégâts hydro, donc en abattant des épées de pluie sur l'adversaire. Très bien pour appliquer un des meilleurs éléments du jeu qui est le pyro derrière et donc faire l'évaporation. Donc Xingqiu est vraiment excellent, je pense que tout le monde le sait maintenant. Il va avoir un petit hit d'appoint à la fin de son ultimate, mais bon, ça c'est pas grand chose, je vais pas le prendre en compte pour le coup. Pour ce qui est des constellations, donc la première, ça va augmenter le nombre max d'épées de pluie de 1. Il faut savoir que lorsque les épées de pluie sont brisées, donc avec sa compétence de base, elles vont tout simplement disparaître. Et c'est ça qui va réduire les dégâts derrière. Donc la première est vraiment excellente, ça rajoute une épée. Donc on rajoute un tiers de puissance, qui est franchement grandement appréciable. On est à 3, on passe à 4. La deuxième, ça va être aussi très cool, ça va être tout simplement sur l'ultimate, prolonge la durée de l'ultimate de 3 secondes. De plus, les épées de pluie réduisent la résistance hydro des ennemis qu'elles touchent de 15% pendant 4 secondes. Donc à chaque fois que vous allez taper, vous allez pouvoir réduire de 15% la résistance hydro. Il faut savoir que les épées de pluie peuvent taper très très fort si vous stuffez tout simplement bien Xingqiu, donc en demi-noble, demi-hydro, voilà ce genre de choses. Ça peut apporter un appoint de dégâts qui est très appréciable. Comme je vous l'ai dit, avec le pyro en plus, c'est super facile à appliquer. Le personnage se build plutôt recharge pour avoir son ultimate assez facilement. Avec une épée rituelle par exemple, vous allez faire deux fois sa compétence de base, vous allez récupérer directement l'ultimate si vous avez 210% de recharge à peu près. Et derrière, vous allez pouvoir perma-ulti. Et donc, il y a juste à le mettre et à faire l'ultimate, à changer de perso, et là vous allez profiter pendant pas moins de 20 secondes de son boost, ce qui est colossal pour le coup, et c'est pour ça que c'est un excellent personnage. Donc comme vous le voyez, les deux premières constellations sont vraiment très bien. Après, on va passer, bon,
Je vais pas vous détailler la troisième et la cinquième, ça va être tout simplement de l'augmentation au niveau des aptitudes. La quatrième, pendant la durée d'épée Guya, pluie et arc-en-ciel, les dégâts infligés par l'épée de Guya plus battante augmentent de 50%. Donc là, de la même façon, on va avoir une augmentation de dégâts sur l'ultimate qui est très appréciable. Et en plus de ça, sur la dernière constellation, du coup, on va avoir une augmentation de dégâts, encore une fois, toutes les deux pluies d'épée, Xingqiu récupère plus de 3 points d'énergie élémentaire. En plus de ça, donc, voilà, assez cool. Après, je vous dis la vérité, les deux premières constellations suivissent largement. Il n'y a vraiment pas à torcher là-dessus. Donc, franchement, je trouve que ces trois personnages-là, les deux premières constellations, sont assez intéressantes. Si vous les avez déjà, c'est pas forcément nécessaire d'invoquer sur le portail, à mes yeux, pour le coup. Après, vous faites ce que vous voulez. Kokomi, c'est propre à chacun. Je vous laisse décider là-dessus. Et puis, voilà ce que je pensais de son portail. Il en reste néanmoins excellent pour moi. C'est juste que Kokomi sort après Baal, que c'est un perso qui est assez spécial, donc c'est pour ça que le portail est un peu boudé. Mais pour le coup, je trouve pas mal le portail, on a vu bien pire. Et voilà, voilà ce que j'avais à dire sur ce portail. J'espère que ça vous a aidé, que j'ai pu vous aiguiller à ce niveau-là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou journée. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait et à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Ciao, ciao, à la prochaine.